il y a quelque temps de ça, j'avais repéré une personne qui avait une certaine carrure et un visage, et je me disais à chaque fois que je passais devant lui, j'aimerais bien lui faire un portrait. Et je suis allée lui demander s'il voulait venir faire une séance portrait, juste pour le plaisir. Il fallait qu'il vienne comme il était. Et alors lui, il est super content, hyper emballé. Il est arrivé au studio, on a fait une super séance portrait. Ces images, je les ai mises en vitrine. Et là, je me suis aperçue l'impact que pouvait avoir notre métier et le regard des gens sur certaines personnes. Parce que sauveur, c'est quelqu'un, on passe à côté de lui, on ne le regarde pas forcément. Et là, il a été mis en valeur. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, et je me suis aperçue vraiment de l'impact qu'on pouvait avoir au niveau image et visuel. Comme je fais partie du GNPP et que j'en suis la secrétaire GNPP-SA, je me suis dit, ben, je vais en parler aux copains. Est partie donc cette idée de faire cette opération, les portraits du cœur, pour justement mettre en avant notre métier et aussi donner l'opportunité aux personnes défavorisées d'avoir un portrait de famille. Tout de suite, tout le monde a répondu présent, dit ouais, on y va Carole, c'est parti, mène le truc et on y va, on te suit. Donc à ce moment-là, elle a pris contact avec nous et, en présentant son projet, et ça collait parfaitement aux objectifs que peut remplir l'épicerie sociale. C'est-à-dire de nourrir dans un premier temps la personne, mais aussi de favoriser son estime d'elle-même. Ce sont des gens, qui sont en situation précaire, ce sont des gens qui sont démoralisés, tout ça. Ce sont des gens qui sont en situation d'abandon. Hein. Je crois que le fait d'être pris en photo comme ça, ça leur donne une autre image d'eux-mêmes. Hein. Ça leur donne, à la limite, je dirais, la véritable image hein, qu'ils devraient avoir. Voilà. Et le jour J, on a eu des personnes qui sont venues dès le démarrage. J'étais un peu inquiet peut-être en rentrant dans cette salle paroissiale. Bon, hein. Ils avaient répondu favorablement à l'invitation, mais bon, ils pouvaient avoir une certaine inquiétude. Mais je crois que cette inquiétude, elle a été effacée durant la journée. Hein. Une fois qu'ils ont passé le cap, il y avait vraiment cette ambiance très professionnelle, hein, avec de la musique, des personnes qui étaient là pour s'occuper d'elles, pour les accueillir. Et du coup, ça a détendu l'atmosphère. Et puis, les gens sont restés tout le long de l'après-midi. Il y avait des personnes qui restaient même après avoir été prises en photo pour voir les autres. Donc, ça a été un moment très convivial avec beaucoup de monde. On est venu, puis on était très bien accueillis pour prendre des photos. Tout le monde, on a fait des maquillages. On m'a peigné, on m'a maquillé, ma femme aussi. Ben, je ne me doutais pas qu'il y avait autant de photographes. Je croyais que c'était un photographe qui venait nous photographier. Et je me suis aperçu qu'il y en avait, ils étaient nombreux, qui nous photographiaient tous en même temps. Et puis, on nous a demandé de passer chacun notre tour pour prendre des photos. On m'a fait des petites. Dans la coiffure, on m'a fait des boucles. C'était bien, comme j'ai les cheveux assez longs, bon ben voilà, c'était super, hein, ça change totalement. Et en plus ça m'a fait du bien parce que moi qui me suis fait, je me maquille pour ainsi dire presque jamais, ben là j'ai adoré parce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe de soi. C'est important pour les gens d'avoir un portrait de famille parce que c'est quelque chose qu'on garde, qu'on laisse aux générations futures en héritage. C'est aussi une image de soi que l'on montre et une image qui peut être valorisée pour ces personnes-là. Je pense que c'est justement beaucoup plus important. Ils ont besoin d'être valorisés, ils ont besoin d'avoir une belle image d'eux-mêmes. C'est un truc qui va rester, en plus c'est la famille. Je suis avec mon mari avec la photo puis un de mes fils. Donc, c'est ce que je dis, ça fait un beau souvenir. J'ai trouvé ça génial. Et on l'a montré à d'autres personnes. Je l'ai même mis sur Internet, sur Facebook. Mon fils aussi, il l'a mis sur Facebook aussi, sa photo. Et puis, j'ai fait voir à la voisine et tout ça. Alors, c'est magnifique, elle disait, c'est super. Ah, c'est des beaux souvenirs. Donc, l'idée, c'est de faire passer cette opération au niveau national. On a vraiment un rôle à jouer par le biais des portraits du cœur et le fait de montrer notre travail et notre savoir-faire à cette échelle, hein, au niveau national, ça serait vraiment super. Ouais. On offre quelque chose
qui va rester dans le temps sur des générations et des générations. Et ça, ce n'est pas du tout anodin. C'est, on valorise les gens sur du long terme. Et c'est aussi un témoignage qu'ils vont laisser derrière eux. Ça marque quelque chose. Il y a quelque chose qui reste marqué et c'est bien. Moi, je trouve ça super.